Salut, c'est GE Supercar, nouvelle vidéo de Car Spotting. Regardez derrière moi, on est où? On est à Monaco et en hiver. C'est une des premières fois que je vais faire un Car Spotting à Monaco en hiver. J'espère qu'on va voir des choses intéressantes. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il y aura des voitures, peut-être qu'il n'y en aura pas. Restez bien connectés sur la vidéo. Mettez d'ores et déjà le pouce bleu si vous kiffez les Car Spotting à Monaco, c'est très important. Abonnez-vous aussi à ma chaîne et abonnez-vous aussi à l'ami Fippe. Hello everybody. Salut, ça va? Tu vas bien? Donc voilà, quelle introduction incroyable, t'as vu ça? Ça se voit que t'as l'habitude. Je sais, merci. Donc là, on va faire un Car Spotting avec Fippe. Donc lui, bon, il est là quasiment toute l'année. Ah, c'est la maison. Donc est-ce qu'en hiver, c'est intéressant le Car Spotting à Monaco? Bah, ils vont voir. Vous allez voir. Réponse dans la vidéo. Voilà. Restez bien connectés. Car Spotting avec l'ami Fippe, ça faisait un moment. Sous ce beau ciel bleu, il fait très beau aujourd'hui, il fait plutôt même assez chaud. Hein. Au bon moment. Je suis au bon moment. Apparemment, cette ambiance un peu top marque. On a déjà repéré quelques voitures qu'on a plus l'habitude de voir au top marque qu'à cette période-là. Donc c'est parti pour un bon vieux Car Spotting à Monaco. Let's go. Ok, c'est bon, ça filme. Ça filme. C'est ouais. Bon. Ouais. C'est parti. On y va. C'est bon. Donc, petite surprise dans cette vidéo, alors en rapport avec la vidéo du petit papa Noël où je vous fais gagner des cadeaux, je vais rajouter quelques petits cadeaux pour vous, pour cette vidéo. Donc là, ça va être des stickers Monaco. Regardez, ils sont très jolis, vous avez les stickers Monaco classiques, les stickers Monaco façon plaque d'immatriculation qui sont très beaux, je les aime beaucoup ceux-là, et deux autres stickers encore classiques. Donc pour gagner ces stickers-là, bah, ça va être très simple. Alors déjà, première règle, faut que tu sois abonné absolument à la vidéo. Il faut que tu mettes des pouces bleus absolument, sinon tu ne les auras pas. Et tu mets en commentaire tout simplement stickers, comme ça tu pourras gagner. Donc il y a 5 stickers, il y aura 5 gagnants, ça paraît logique. Donc voilà le hashtag stickers, si tu veux gagner, c'est beau, stickers de Monaco. Donc voilà, on commence ici, place du casino. Ambiance Noël, fête de fin d'année. Nous sommes le dernier samedi de 2019 et on commence doucement. Ross Cullinan, la base à Monaco. Aventador, très jolie couleur, gris Nardo. C'est très beau. J'aime beaucoup. J'ai repéré une nouveauté qui arrive là-bas. Restez bien sur la vidéo. C'est une des premières que je vois. C'est même la première que je vois. C'est la toute dernière M8 en cabriolet, vous allez voir, c'est très beau. Classe G, ça c'est très basique à Monaco. Mais regardez-moi ça, cette beauté qui arrive là. Ça c'est la toute dernière M8. Je vais en profiter pour faire une photo avec mon portable. Elle est absolument magnifique, M8 cabriolet. Une des premières même qui va être exploitée à Monaco, je pense. Ah, ça tue. Ah, on entend des moteurs descendre. On va voir ce que c'est. Ouf. Ah, mais c'est top marque ou quoi aujourd'hui? What? Ah, très bien. Donc là, c'est top marque en hiver. Très belle performante juste ici, bleue. Et regardez, troisième performante du Car Spotting juste ici avec un covering. Bicolore. Ah, très bien. Ah, d'accord, mais c'est pas le terre. Qu'est-ce que c'est bon ça? Ah. On approuve ça! Et allez, plus TDF direct. C'est très beau. On aime beaucoup, on adore. Ah là là, ce bruit, on adore! Thank you.
va bien. Et la McLaren qui va très bien. Voilà, ensemble. Ça, c'est un beau coup, ça. Ça, on approuve, on adore totalement. Et la FIPE m'a dit de filmer une grosse hypercar, un multiplat à Monaco, bien entendu. Mettez plein de pouces bleus pour ce multiplat. Attention, est-ce que tu as couru le multiplat? Grosse rareté, merci. Il arrive, il est là. Non, attention, il se cache. Oh là 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 là. Hashtag love multiplat pour tous les fans. Toute nouvelle M8 en cabriolet. Magnifique. Alors là, à l'hôtel Hermitage, il y a quelque chose que j'adore tout particulièrement, la SLS AMG. En plus, en rouge, comme ça, on en voit de moins en moins. Et ça, c'est un véhicule qui ne vieillit absolument pas. Elle n'a pas du tout à rougir, excusez-moi pour le petit jeu de mots, avec la couleur du véhicule par rapport à l'AMG GT, qui est sorti après ce véhicule. Et là, on a encore un vrai V8, 6.3, enfin 6.2. AMG avec un très joli bruit, le petit béquet comme ça ouvert, c'est très beau, c'est très sportif. Pour moi, ça va être un véhicule, il est même déjà, ça va être un véhicule clairement intemporel. En plus, c'est la fameuse, vous savez, elle a les portes papillon, mais elle est vraiment très jolie en rouge. Je pense que c'est une des plus belles couleurs avec le jaune sur la Black Series, mais sur une SLR classique, une SLS classique, excusez-moi. J'aime beaucoup ce rouge, donc si vous aimez bien ce rouge-là, mettez énormément de pouces bleus. Tu approuves? Ouais, totalement. La couleur grand top. Hein. Franchement, ouais, j'étais passé à filmer avant que tu sois arrivé à Monaco, ouais. Et j'ai déjà dit que j'adorais. Et comme je disais à sourire la vidéo, c'est un véhicule qui est déjà intemporel. Ouais, franchement, ouais. Elle va super bien vieillir, un peu comme la SLR, hein, que ouais, bon, vous savez que j'adore la SLR. Je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, c'est comme la SLR en fait, c'est un véhicule qui a peut-être eu du mal à plaire au début. Mais ouais. Plus le temps passe, plus on la trouve belle. Et surtout en coupé. Et surtout en coupé. C'est vrai que la cabriolet a un peu moins... Un peu moins de charme. Un peu moins de charme. Surtout là, quand on ouvre les portes, ouais, là, on a tout gagné. Et en rouge comme ça, c'est vraiment très beau. Donc mettez des gros pouces bleus si vous kiffez cette SLS, vous aussi. Personnellement, je suis sûr qu'on adore. Oh là là, j'étais pas prêt. Bugatti Veyron. Bon bah effectivement il y a des belles choses à voir en hiver à Monaco. Voilà, je pense qu'on a la réponse là. Regardez la couleur de la RS4 vert. Dites moi en commentaire si vous aimez bien cette couleur. Là chez Ferrari il y a une superbe pista un peu gris souris grinardo avec des bandes rouges. Magnifique. Et là juste à côté, c'est la première que je vois, la première que je spot. La toute nouvelle Ferrari F8. Donc voilà. Véhicule que j'aime beaucoup, donc c'est la remplaçante de la 488 juste derrière. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez la F8 ou la 488. Moi personnellement la F8 j'adore. Elle est très jolie, surtout l'arrière qui change. Mais elle est vraiment très jolie, même en gris comme ça j'aime bien. Couleur de base, première F8, bon, eh ben écoutez, on adore. GT3 RS verte. Petite dédicace à Thibaut. Donc là, place du casino, très jolie 458, excusez-moi. Bleu mat. C'est vraiment pas mal. Par contre, à côté, j'ai pas l'habitude d'en filmer, mais je vais vous filmer. Maserati Levante avec un covering. Je sais pas comment vous dire. Covering très bizarre. Aspect marbre bleu avec des détails jaunes. Je ne sais pas si vous aimez bien, mais pour moi, c'est non. Voilà, on était place du casino avec Fipeu et il vient de me dire, il vient d'avoir une info. Il veut pas dire c'est quoi. Au Fairmont, surprise. Un peu plus bas, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais spoté à Monaco. Et moi non plus, d'ailleurs, j'en ai jamais même vu. Voilà, bah, apparemment c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf, mais c'est une nouveauté. Ça plaît, les gens la kiffent. Bon, bah, on va voir si. Si Fipeu a raison, si vous allez kiffer. Bon, le connaissant, c'est sûrement un truc plutôt pas mal.
Donc bah, on se retrouve un peu plus bas au Fairmont, c'est parti. Info complètement fake, en fait, merci lundi, quoi. Y a rien, enfin la personne qui nous a dit ça. Par contre là, là il y a quelque chose. Ah oui, McLaren Senna. On n'est pas descendu pour rien. On a entendu un bruit là. Potentiellement la Senna qui remonte peut-être. Non. Oui. En plus il est chaud aujourd'hui. Et le deuxième du car spotting, le multipla, place du casino, parfait, la classe. Tout le monde se retourne sur la bête. La balle de tennis à l'arrière. Nous sommes sur le starter pack. Magnifique. Regardez-moi ces 458. Jaune, jante Novitec, échappement ouvert. Elle est magnifique. Regardez-moi ces jantes. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour ces 458 Novitec. Je vais essayer de claquer une petite photo en même temps pour faire en elle. Hop. Waouh. Tuerie. Une boucherie. La petite photo pour Instagram qui va bien. Petite nouveauté qui vient d'arriver ici, 812, noir, jante grise, intérieur, marron, c'est beau. Plaque Gibraltar, peu commun, plutôt sympa. Cette Bentley là par contre, je vous montre juste la config de la Bentley, bicolore comme ça. Ça aussi c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien cette 812, simple et efficace. C'est ça, simple et efficace. Voilà, par contre là-bas Jordan c'est pas très simple. Ouais, c'est pas très simple. Efficace, je sais pas. Dans son style. Dans son style, voilà, ouais. On va dire ça. Mais celle-là, très beau. Simple, efficace. J'aurais peut-être pas mis les litriers rouges. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Bon, notre ami Fippe nous quitte. Il doit partir. Par contre, le car spotting continue. Je vais continuer sans toi. Je vais faire mon petit car spotting by night, entre guillemets. T'as intérêt à choper du lourd. Je te promets rien. On compte sur lui, hein. Bon bah ok, bah je vais vous choper du lourd. Restez bien sur la vidéo, Fippe. À très bientôt. On se revoit un de ces quatre. C'est ça. Hein, et follow Fippe sur Instagram, sur Facebook, sur Facebook, on s'en fout. Ouais, bon, Facebook, on s'en fout. Sur YouTube surtout, allez voir sa vidéo. Il en a fait une aussi. Et puis bah salut. Salut. C'était avant. Allez, ciao. Salut Fippe. Wow, j'étais pas prêt, j'étais de RS bleu, magnifique dans ce bleu. J'étais pas prêt. De retour place du casino. Regardez-moi la couleur de cette nouvelle Bentley. Vraiment très jolie comme ça en orange, j'aime beaucoup. J'en filme pas beaucoup des Bentley à Monaco. Mais quand il y en a une qui sort du lot, je vous la filme. Vraiment sublime, très classe comme ça, cette configuration avec le pack black, très peu de chrome, magnifique. J'en profite aussi pour vous filmer un petit peu les décorations à Monaco, très classe, hein, très joli. Regardez, c'est vraiment beau. Très belle ambiance festive à Monaco. Voilà, pendant qu'un spectacle, il y a surtout une F12 DDF bleue. Je parle un peu fort pour que vous puissiez m'entendre. J'espère qu'ils vont la poser devant le casino parce qu'elle est étonnante. Bon, ils ont un petit peu baissé la musique, par contre, il fait encore très sombre pour le moment en place du casino. Du coup, je vous la montre quand même. F12 DDF. Regardez-moi cette configuration, elle est oufissime dans ce bleu.
Malheureusement, on voit pas grand chose. Il y a une très belle couleur à côté, mais on verra pas. C'est du violet sur la Rolls. Donc voilà, deuxième F12 TDF du Car Spotting. C'est vraiment très très joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de car spotting dans le sud. En plus, on a pu voir l'ami Fipe aujourd'hui. Donc ça m'a fait très plaisir de le revoir. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vlogs, d'autres aventures à Monaco, à Cannes, à Nancy. Bref, un peu partout. Ciao, pouce bleu et merci à vous. Et n'oubliez pas le petit jeu concours pour y participer, c'est hashtag sticker si vous voulez gagner des cadeaux. Si mes abonnés ont été vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, je m'en excuse par avance pour ce moment, comme je le dis, très gênant. Bonsoir madame. Bon bah salut les gars, là on est à Monte Carlo, comme vous voyez. Ouais. Voilà. Donc là on a la Lamborghini Aventador, c'est ça. Donc comme vous pouvez voir, couleur gris foncé. Franchement moi c'est une de mes voitures préférées quoi. Puis là on a la Bentley. Et enfin on a la Huracan. Huracan. C'est bien ça. Ça va. Pas trop. Pas trop intéressant mais franchement la couleur c'est original, le moitié-moitié. Puis là on a des jantes. Hein, doré. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en bas pour me dire quelle est votre voiture préférée. Au revoir. Alors bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous avons ici avec nous notre spécialiste, notre Samy Bouzouba. Excusez-moi, je ne répondrai à aucune question si on m'agresse comme ça. S'il vous plaît monsieur, c'est important pour nous. Allez, on y va, go. Donc là, j'ai voulu reproduire un peu le marbre que j'avais à la maison. J'ai un petit château à la maison. Et voilà, j'adore le blanc, j'adore le noir. Mais en même temps, j'aime tout ce qui rappelle un peu l'or. Vous voyez, j'ai fait fortune dans l'or. Alors du coup, je me devais de reproduire ça dans ma voiture. Allez-y, est-ce qu'on peut voir un petit essai? Alors là, j'ai plus trop d'essence. Ok, vous pouvez nous présenter l'autre voiture? Je suis en réserve. Alors celle-là, c'est celle-là, ma femme. Non, non, l'autre. Donc, ah, l'autre à mon fils. On reste sur la Lamborghini, ouais. Alors, ça, c'est la petite voiture que j'ai achetée à mon fils, hein. Adepte des voitures. Ouais. Alors, mon fils est un peu plus discret que moi, comme qui dirait l'ancien. Je suis très content de lui avoir offert ça. Je lui ai offert ça pour ses 18 ans. Samy Bouzouba, je suis trop fan de toi. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà, je me retrouve. Cette intrusion, je me retrouve confronté à ce genre de situation assez régulièrement. Mais vous savez, il faut garder la tête froide. J'ai pas fait fortune comme ça, et je reste quelqu'un de modeste. Voilà. Donc là, on accompagne Monsieur Samy à l'entrée du casino. Venez. Où il passe ses soirées folles au milieu de la bourgeoisie monégasque. Allez-y. Venez, 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 venez. Je vais vous présenter mon petit chien. Venez. Je préfère le casino. Donc ça, c'est mon chien. Donc ça, ok. Voilà. Très bien élevé. Très bien élevé, comme check. Vous pouvez le voir, élevé check. Par des éleveurs coréens. Oh, check le mock. Check. Check. Madame, s'il vous plaît, parlez mieux de mon chien. Madame, s'il vous plaît. Check. Pas de... Hein, il est anti-musulman, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Écoutez, madame, on a pas fait d'argent en vendant ça au Bounoul. Alors calmez-vous, s'il vous plaît. Alors ceci est la fin de la chaîne du Supercar. Je vais essayer Et ici, nous avons le propriétaire de la chaîne Supercar, ici en direct avec nous. Exactement, sur France 2. Merci, allez-y. Qui va sûrement supprimer ce moment très malaisant. Je ne sais pas s'il va être en ligne, excusez-nous. Je ne sais pas s'il va être en ligne parce que c'est quand même assez malaisant. Peut-être que je vais assumer. Si mes abonnés ont été vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, je m'en excuse par avance pour ce moment, comme je le dis, très gênant. Bonsoir madame. Écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour...
Non, ne mettez pas de pouce bleu. Je suis vraiment désolé, promis, la prochaine fois, vous ne verrez pas leur gueule dans la vidéo. Voilà, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires en bas de la page et de liker si vous aimez et de vous abonner. Salut, c'est Samy Supercar. Et c'est Zizi Supercar. Aujourd'hui, on va vous montrer quelques petits aperçus de Ferrari. Restez avec nous. Exactement. Nous avons ici deux petites merveilles. Je commence par vous introduire la Hongrie métallisée, la 812. Franchement, exceptionnelle, magnifique. Que dire de plus? Vous n'avez qu'à la tester. Et juste ici, on a la Portofino. Ou d'ailleurs, je vous conseille de passer un petit séjour en amoureux avec vos copines. En attendant, c'est une magnifique voiture, n'hésitez pas. Elle est exceptionnelle. En plus, on a droit à un petit intérieur en cuir marron, magnifique. Voilà. Donc, on remercie beaucoup Monaco de nous offrir toutes ces petites beautés. Et c'est un véhicule en attente de livraison. Si c'est à vous, venez le chercher. Excusez-moi. On vous remercie énormément et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. À bientôt, ciao, ciao.